Tom le magicien, donc, rencontre comme promis. Mais c'est joli ici. Un théâtre dans un si beau jardin. Alors là, ça pique ma curiosité. Tom, vous êtes là? Oui. Bonjour. Pardon. Bonjour. Ça va? Ça va et vous? Dites, c'est votre salle de spectacle? Tout à fait, mon petit théâtre, le Théâtre des Illusions. Mais c'est super mignon ici. Et oui, c'est ma grand-mère en fait qui m'a donné son ancien local, parce qu'elle était poissonnière. Et du coup, on a tout retapé avec papa pendant le confinement et on a fait voilà, cet endroit un peu magique. Mais c'est super, vous en avez de la chance. Et oui, elle est super, mamie. Ah, je l'adore, je l'aime, de tout c'est mon cœur. Ah, oui. Bon, ben, on est là pour vous voir faire de la magie. C'est vrai, on n'est pas là donc, pour discuter. Oui, on n'est pas là pour... pour chômer. Je me change? Ouais, allez-y. Voilà, je suis changé. La classe. C'est rapide, efficace. On va faire quelque chose d'un peu rapide. Hop. Est-ce que vous pouvez allumer le briquet, s'il vous plaît? Ok. Hop, vous pouvez descendre un peu là, votre main. Ouais. Et on va faire ça avec des cartes. Ok. Ah oui, j'ai rien vu. Je vous ai fait mal, non? Non, mais j'ai eu la trouille. Ouais, c'est fait exprès. Je vous demandais de prendre une carte, mais celle que vous voulez. Allez-y, je vous en prie. Celle que vous voulez. Hop, parfait. Est-ce que vous pouvez signer la carte sur la face? Est-ce que vous pouvez me dire stop quand vous voulez? Attention, ça va être rapide. Stop. Un tout petit peu plus réactive. Hop. Je vais me vexer à ça force, peut durer, cher monsieur. Je sais, attention. Stop. Une de plus, une de moins? Non. Là, c'est très bien. Regarde, on va mettre la carte juste là. Et là, le but d'un magicien, c'est d'arriver à retrouver la carte. Et si je claque des doigts, il y a une seule carte qui monte dessus, c'est votre carte. Une seule carte. Ça serait bien, non? Ouais. Vous pouvez souffler dessus. Vous m'avez craché dessus, sensuellement. Non, là, je suis vexée, là. Sensuellement. Vous savez que vous savez le faire. Allez-y. Magnifique. Parce que là, ça marche, regardez. Une seule. Non, c'est pas elle. Ah. Elle était signée? Bah oui. Ressoufflez dessus une dernière fois. Vas-y. Il y a une embrouille. Normalement, ouais, là, c'est bon. Bon, bravo. En réalité, il y a une carte collée juste derrière. Vous comprenez ou pas? Ah! Non, pas du tout. Parce qu'en réalité, votre carte, elle est dans ma main. Elle est juste là. Vous êtes agaçant, vous oui, savez. Allez, je mets la petite cartonnée. C'est un petit cadeau, un petit souvenir. C'est gentil. Merci. Vous êtes agaçant, cher monsieur. Je sais. Vous pouvez pas me dire comment vous faites? Non. Malheureusement. Vraiment non, mais on peut pourquoi pas... on peut jamais savoir? Bah, parce que ça fait partie des trois règles d'un tour de magie. En fait, on doit s'entraîner beaucoup, beaucoup avant de faire un tour. On doit jamais révéler de secret. Et la troisième, j'ai oublié. OK? Pour la magie, j'ai commencé à l'âge de 8 ans, en regardant le plus grand cabaret du monde sur France 2. Donc j'étais vraiment émerveillé par les manipulateurs. En fait, ils arrivaient sur scène et vous savez, ils prenaient une... Vous avez votre carte encore ou pas? Oui, ouais, bah, oui, je vous l'ai gardée, c'est un cadeau. Ouais, vous allez me la reprendre en oui, fait. Oui, bah, c'est ça. Et en fait, ils faisaient ça sur scène, ils faisaient disparaître la carte et réapparaître la carte. Ils faisaient plein de manipulations comme ça et moi, je voulais apprendre comment ils faisaient. Et donc, j'ai pris des cartes, j'ai commencé à m'entraîner avec. Et tout voilà, seul et, tout seul, ouais. Ça marche, mais comment vous avez trouvé les trucs? Eh ben, il y a des trucs, il y a des livres, il y a des DVD, il y a plein de choses. Puis il y a des clubs de magie en France. On fait quoi maintenant? J'ai quelque chose pour vous, quoi? Pour changer. Petit calepin. Il y a différentes chansons notées dessus. Oui. OK, et je vais vous demander, on va prendre une chanson au hasard. OK. Okay. Prenez, hop, vous ouvrez un seul endroit, je regarde pas. C'est oui, bon c'est bon. Pensez très fort au compositeur et j'essaie de capter quelques notes. Ah, j'ai quelque chose. Non. Ah. Formidable de Stromae, c'était oui, ça? Oui, c'est ça. Yes. Il est trop fort. Ce qui me plaît, c'est de divertir les gens. De leur faire passer un bon moment et de leur faire oublier un peu leurs soucis du quotidien. En fait, ce qui m'a donné envie de faire de la magie aussi, c'est une dame qui est venue me voir qui avait une grave maladie quand j'avais 13-14 ans, un spectacle de magie. Elle m'a dit, bah, écoute, grâce à toi, Tom, j'ai réussi à m'évader, à penser autre chose que ma maladie. Et je me suis dit, mais en fait, la magie, c'est un pouvoir au-delà du tour de l'effet. La mise en scène, si on présente bien le tour, comme je dis, c'est pas ce qu'on fait, c'est la manière dont on va l'amener qui est le plus important. Et c'est ça pour moi qui m'a donné envie de me dire, bah, en fait, c'est un pouvoir énorme, on peut faire plein de choses. Quoi. J'ai quand même une question. Ils sont où les lapins? Les tourterelles? J'en ai pas. Il n'y a pas d'aller? Non, moi j'essaye de faire... Enfin, il y a des copains qui le font super bien, mais moi je suis plus dans... J'essaie de faire de la magie un peu plus moderne, un peu plus un peu jeune, enfin mon style, quoi, j'aime bien, c'est vrai, le contact avec les gens, rigoler, créer des univers particuliers. C'est pas moderne, le lapin qui sort du chapeau? Non.
Vous êtes champion de France, mais comment on peut devenir champion de France de magie? C'est quoi la performance pour gagner sur les autres en compétition? Et ben en fait, il y a différentes catégories, comme le piano, le mentalisme, ce que je vous ai montré. Il y a les manipulations de cartes en close-up, il y a la manipulation sur scène, il y a les grandes illusions, enfin bref, il y a plein de styles différents. Et chacun peut être champion, on peut être premier dans sa catégorie. Donc moi, j'ai été premier dans ma catégorie en manipulation, sur un numéro sur le thème de James Bond. Et après, en plus, j'ai été champion de France, toutes catégories confondues. Ça va vous apporter quoi? Une petite notoriété, dans le milieu de la magie. Enfin, on va me connaître un peu plus. C'est vrai qu'avant j'arrivais, j'étais un peu inconnu. Et puis en soi, rien. Enfin, c'est juste plus de dates, un peu plus de travail. Et la vraie magie, vous en faites? Mais la vraie? Oui, faut me dire voir sur scène. Non, je parle pas de celle-là. La vraie magie. Quelle magie? Mais celle de Merlin l'Enchanteur. Vous connaissez pas Merlin l'Enchanteur? Ah bah si, c'est un copain. Celle des sorciers, c'est vrai? Oui. Je le connais, enfin je l'ai vu connu. Merlin l'Enchanteur, Vous avez donc une baguette magique et vous faites disparaître les gens? Oui. Vous montrez? Oui. Vous disparaître? Allez. Chiche. C'est parti. Adieu, monde cruel.